Merci beaucoup pour cette présentation qui mêle des éléments personnels, un parcours qui joint l'histoire de l'après-guerre, exactement, ces 70 ans, et puis en même temps qui met des lumières à la fois sur Maruyama Masao, la question du nationalisme citoyen, du Kokumin-shugi, et qui ouvre sur un appel à la redécouverte d'une pensée critique dans la conception du nationalisme. Je propose qu'on passe directement à la deuxième intervention pour garder notre timing, à savoir celle de Nicolas Mollard. Nicolas Mollard est un spécialiste de l'histoire littéraire qui travaille actuellement sur les questions d'histoire intellectuelle. Il a été maître assistant à l'Université de Genève. Il est actuellement pensionnaire ici à la Maison franco-japonaise. Et c'est, comme vous le savez, l'autre grand organisateur de ce colloque. Je propose de lui passer immédiatement la parole. Donc, Hashikawa Bunso, c'est sans doute pas le penseur comme ça d'après-guerre qui est le plus lu aujourd'hui, je crois. Juste pour le situer très rapidement, il faut dire qu'il se situe dans cette même génération dont Narita Ryuichi parlait ce matin, les Senchuha, donc même génération que Yoshimoto Takahaki, Tsurumi Shinsuke, c'est-à-dire ces gens qui sont nés dans les années 20 et qui ont fait l'expérience de la guerre en pleine jeunesse. Et ils vont faire leur apparition, en gros, sur la scène intellectuelle à partir du milieu des années 50, à peu près. Donc Hashikawa, justement, publie à la fin des années 50 une série d'articles sur l'école romantique japonaise. Et son point de départ, c'est un désir d'introspection. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas réellement trouvé dans les discours marxistes ou modernistes, après-guerre, des explications qui pourraient éclairer son expérience personnelle face à la guerre. Cette expérience, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord son attirance justement pour les discours de l'école romantique et de Yasuda Yojuro en particulier. Ce sera le début ensuite de toute une vie qui va consacrer à des recherches sur le nationalisme japonais. Nationalisme ici, il va surtout l'analyser sous ses formes les plus radicales. Juste pour donner un exemple, il va s'intéresser justement à une série de personnages peu fréquentables, Asahi Heigo, Inoue Nisho, Kitaiki, par exemple, qui forment une sorte de lignée d'ultranationalistes qui se caractérisent par leur radicalité et la propension au mode d'action terroriste. Donc pour beaucoup d'intellectuels d'après-guerre, leur cause était entendu, c'était ni plus ni moins qu'un ramassis de fascistes et de fanatiques. Il n'y avait pas besoin de revenir plus longtemps là-dessus. Donc, ce n'est pas tout à fait le point de vue de Hashikawa. Il va se lancer dans une série de travaux qui seront réunis notamment sous le titre « Aspects de l'ultranationalisme de l'ère Showa ». Et là, il va préciser un peu sa définition, sa conception de l'ultranationalisme. Une définition qui va prendre un peu le contre-pied de celle de Maruyama Masao. Très simplement, pour Maruyama, l'ultranationalisme, c'est d'abord un glissement progressif de l'État de Meiji vers le militarisme et l'expansionnisme. Donc, ultranationalisme, chokoka en japonais, pour lui, c'est ça signifie quelque chose comme un excès, ce serait une sorte les excès de l'État, un glissement, une dérive, une radicalisation de l'État. Hashikawa comprend ce mot cho de chokoka de manière différente, c'est koeru, c'est dépasser. Et l'ultranationaliste, en quelque sorte, c'est celui qui cherche à dépasser, à transcender l'État pour réaliser un rêve de communion entre l'empereur et ses sujets. Donc, ce qui se trouve entre deux, la couche des puissants qui détiennent le pouvoir politique, ils veulent éliminer cette couche-là. Et donc, pour Hashikawa, l'ultranationalisme n'est pas vraiment une dérive de l'État, mais bien quelque chose de nouveau qui va prendre naissance dans le Japon des années 20. Mais le nationalisme que Hashikawa cherche à cerner dans ses premiers essais fondateurs sur l'école romantique
est de nature un peu différente, je crois. L'école romantique a bien quelque chose à voir avec le nationalisme, mais Hachikawa refuse qu'elle soit stigmatisée sous ces termes d'ultranationalisme ou de fascisme. Il veut l'inscrire dans ce qu'il appelle une généalogie du patriotisme esthétique. C'est d'ailleurs justement le sous-titre de son livre, Généalogie du patriotisme esthétique. Sauf qu'évidemment, on comprend tout de suite l'ambiguïté. Patriotisme, un terme beaucoup plus vague, il le dit lui-même, plus ambigu et surtout politiquement moins chargé, moins lourd que ultranationalisme ou autre. Et c'est un peu dans l'intention d'explorer cette relation ambiguë entre romantisme et politique que j'aimerais lire ces premiers essais de Hachikawa Bunso. Donc ces essais, très rapidement, il s'agit de 7 articles qui sont publiés entre 57 et 59, qui vont être réunis en 1960 sous ce titre « Introduction critique à l'école romantique japonaise ». À cela vont s'ajouter encore plusieurs essais un peu épars qui vont former une deuxième édition publiée en 65. Son point de départ, c'est fait d'abord de faire un état des lieux critique sur cette école romantique. Et la première chose qui ressort, c'est son indignation. Son indignation face au jugement à l'emporte-pièce des intellectuels de tous bords, hein, communistes ou modernistes. Il choisit sciemment, pour illustrer son propos, une des critiques les plus violentes qui a été émise à l'égard de Yasuda. Donc, je vais citer, c'est le communiste Sugiura Minpe qui parle. Il dit ceci. De nos propres forces, de nos propres mains, nous allons capturer ces salauds de Yasuda Dasano qui étaient à la solde de l'état-major. Tout le menu frottin qui leur tournait autour tout sourire. Nous allons les juger avec impartialité, les uns après les autres, et en pendre quelques-uns au pain devant le palais impérial comme des kakis séchés, avec les militaristes et autres ennemis du peuple de la même engeance. Donc voilà, ça c'est Sugiura Minpe qui parle. Donc le moindre qu'on puisse dire, c'est que l'école romantique avait mauvaise presse dans l'après-guerre. Elle représentait le pire de la compromission entre de la littérature avec l'idéologie militariste. Pourtant, ce n'était pas si évident à ses débuts. Le discours romantique était parti d'une réflexion critique sur la modernité. Mais il faut bien reconnaître qu'à partir de 1938, il se radicalise et va sombrer dans un patriotisme mystique, une esthétisation de la mort tragique. On comprend très bien le pouvoir de fascination exercé par ces écrivains romantiques avec une phrase que Hachikawa donne dans son livre. Frappé par les aspects les plus extrêmes du discours de Yasuda, un de nos camarades de classe rêvait de finir comme un cadavre en décomposition au cœur de la jungle, un kojiki à la main. Donc c'est cette image très forte. Je crois que tout est dit avec cela. On mesure l'effet que pouvait avoir la pensée de Yasuda sur les jeunes étudiants de l'époque. Du coup, on ne s'étonnera pas de voir Yasuda figurer dans cette longue liste d'écrivains qui sera des écrivains à bannir, qui est rédigée en 1946 par la Shin Nihon Bungakai. On l'accusait d'avoir envoyé à la mort des milliers de jeunes. Il a été interdit de fonction publique, publié des écrits politiques entre 1948 et 1951. Et en même temps, il faut dire que c'était peut-être quand même un bouc émissaire facile, un point obscur de la conscience de beaucoup d'intellectuels, un refoulé qui n'allait pas tarder à refaire surface. Par exemple, au début des années 50, Takeuchi Yoshimi tente de remettre sur la table ce sujet de l'école romantique avec un essai très connu, hein, la question du modernisme et de la nation au sens Minzoku. Pour Takeuchi, les intellectuels qui refusent alors de se confronter au nationalisme, dont l'école romantique n'est finalement qu'une émanation parmi d'autres, hein, ces intellectuels manqueraient de conscience critique par rapport à leur propre responsabilité dans la guerre. Et vers la fin de la décennie, au moment même où Hachikawa est en train de publier sa série d'articles, Ōka Makoto observe la résurgence du problème ou de la question de l'école romantique
avec ces phrases-là. Aujourd'hui, le nom de Yasuda Yojuro est évoqué comme une substance radioactive rejetée au fond des océans. Cette substance a bien été jetée, oui, mais les eaux profondes que l'on croyait dormantes se sont mises peu à peu en mouvement. Et qui sait si cette radioactivité ne finira pas par atteindre de nouveaux rivages. Donc on est en 58, Oka semble craindre un retour d'une certaine forme de nationalisme. Et je crois, en des termes plus nuancés, c'est aussi ce qu'essaye de souligner Hashikawa. Parce qu'il voyait une similitude entre le désespoir qui avait permis l'émergence de l'école romantique au milieu des années 30 et une forme de nihilisme qu'il pense déceler chez la jeunesse des années 50. Donc voilà, c'est un peu exprimé de manière sommaire le point de départ de cette introduction critique à l'école romantique. On y retrouve d'abord ces trois hypothèses de travail de Hashikawa. D'abord la question de la génération, un critère important. Hashikawa parle au nom de sa génération des Senshuha, des gens qui ont connu la guerre de plein front. Deuxièmement, le romantisme n'est pas une forme de fascisme. Et troisième point, la pensée qui donne naissance à l'école romantique perdurerait dans l'après-guerre. C'est trois points, je pense, importants qui sortent de ces essais. On reviendra dessus tout à l'heure, mais j'aimerais me focaliser maintenant un moment sur ce qui m'a intéressé le plus chez Hashikawa en tant qu'historien de la littérature. C'est donc la manière dont il essaye de tenter les rapports, de décrire les rapports entre romantisme et politique. Je crois qu'il propose trois angles d'approche, une tentative d'analyse socio-économique, une analyse plutôt de ce qui serait la mentalité romantique et une analyse un peu plus générale de la conception du politique au Japon. D'abord, l'interprétation courante de l'émergence de l'école romantique, c'est une succession causale entre échec des mouvements prolétariens, les tenko, les reniements intellectuels qui s'en suivent, et enfin l'émergence de l'école romantique. Ça ne satisfait pas tout à fait Hashikawa. Bien sûr, les jeunes des années 1935-37 sont désorientés après l'espoir trompé qu'avait suscité le communisme, les mouvements prolétariens. S'ensuit une sorte de vide qui laisse se développer une pensée hostile à la raison, et Yasuda, quelque part, avec sa mystique patriotique, viendrait le combler. Mais pour Hashikawa, la cause est à chercher beaucoup plus loin, remonte à la fin des années 10, au début des années 20, aux difficultés économiques, montée du chômage, déracinement des classes moyennes. Je ne veux pas rentrer dans le détail de son argumentation, mais on peut saisir ici une première tentative de réfléchir sur le rapport du romantisme à la politique, parce que dans ce contexte, Hashikawa pose cette question-là. Comment un groupe d'intellectuels, vraisemblablement en mesure de se positionner comme des leaders sur le plan de l'action politique, a fini par s'enfermer dans des rêveries utopiques? Voilà pour le premier point. Deuxième point, donc sur la mentalité romantique. Là, il faut faire un petit détour par Carl Schmitt. On sait qu'au début des années 50, Maruyama avait prêté à Hashikawa un exemplaire du Politische Romantik, cet essai que Schmitt écrit en 1919. Et on sait aussi que Hashikawa, au moment où il travaille à cette introduction critique, était en train de traduire cet essai de Carl Schmitt. La traduction paraîtra seulement beaucoup plus tard, en 82, mais au moment où il écrit, il est en train de traduire en même temps Carl Schmitt. Il emprunte beaucoup de choses, je crois, à Carl Schmitt, mais une idée, en tout cas, importante, c'est que le rapport au monde du romantique est fondamentalement de nature esthétique. Le romantique est quelqu'un qui met le sujet, le moi, l'art au-dessus de toute autre valeur. Et il supporte mal de vivre dans une réalité finie. À la réalité finie, il préfère l'infini des possibilités. Et ça, pour conséquence, que le romantique est un observateur passif
qui refuse tout engagement dans le monde. Pourquoi ? Parce que s'engager dans le monde, ça veut dire faire un choix, ça veut dire décider, ça veut dire faire le tri entre l'infinité des possibles. Et ça, le romantique le refuse. Il préfère rester en deçà, rester dans l'infinité des possibles, l'infini des possibles. Et pour Carl Schmitt, hein, le politique commence avec la décision. C'est décider qui est son ami, qui est son ennemi. C'est le départ de la politique. Et donc, il a cette phrase, hein, le romantisme s'arrête là où commence la politique. Voilà à peu près l'idée, en tout cas, une des idées que Hachikawa emprunte à Carl Schmitt. Sur cette base-là, il va par exemple lire un texte important de Yasuda qui s'appelle Mokyo, écrit en 1938. C'est les récits de voyages que Yasuda fait en Corée, en Mandchourie, en Mongolie intérieure. C'est le texte est important parce qu'il va marquer un tournant dans la radicalisation de Yasuda. De ce voyage-là, il va rentrer absolument convaincu que le Japon est en train d'accomplir une grande œuvre sur le continent, que la littérature doit soutenir cet effort de guerre. Et donc, 20 ans plus tard, Hachikawa va se demander mais comment Yasuda a pu aller là-bas, à cette époque-là, en 1938, et rien voir, rien comprendre. Il écrit ceci, noyé dans des théories artistiques ambiguës, hein, ses écrits ne renvoient aucune image précise des problèmes historiques et nationaux. Il règne une brume lyrique, nous dit Hachikawa, on ne trouve aucun fait historique précis. L'important pour lui n'est pas la structure de la réalité et ses dynamiques, mais seulement le réel comme prétexte à l'exaltation de ses visions grandioses. Ici, il fait précisément référence à une scène où il y a un soldat japonais qui hisse le drapeau japonais sur la grande muraille. Et Yasuda voit là une scène romantique magnifique. Pour Hachikawa, ces visions de Yasuda ne laissent aucune place à de l'empathie pour les acteurs historiques. Alliés ou ennemis, ça n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est lui-même et sa force d'imagination. Il va relever que plus tard, Yasuda, en 1954, il déclare qu'à cette époque-là, il n'avait absolument pas conscience de la réalité de l'ennemi. C'est Yasuda qui le dit, je ne sais pas s'il faut le croire, mais enfin, Yasuda dit ceci. Et Hachikawa se pose vraiment ces questions, mais Yasuda, est-ce qu'il peut vraiment penser que l'armée japonaise, hein, qui a saccagé le continent asiatique, inconsciente de cet ennemi, comme le dirait Yasuda, est-ce que cette armée japonaise est une violence abstraite, hein, c'est une horde fantomatique sans responsabilité? À cela, il va proposer une explication psychologique, hein, de Yasuda, en qui il voit surtout, donc il dit, voilà, ce n'est pas quelqu'un d'extrême droite, ce n'est pas un fasciste, tout simplement c'est quelqu'un qui était extrêmement lâche. Et quelqu'un lâche, quelque part, je crois que c'est une autre manière de dire, quelqu'un qui ne s'est pas décidé, au sens que j'évoquais de Schmitt. Troisième point qu'aborde Hachikawa dans cette relation du politique et du romantisme, le fait dans le cadre un peu plus vaste d'une théorie générale sur le politique au Japon. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en bref, l'idée serait que l'idéologie nationaliste, donc cette qui se réclame des études nationales, Kokugaku, voit dans l'ordre politique un ordre naturel. Ce qui voudrait dire, selon la terminologie, hein, Hachikawa emprunte ici à Max Weber, que la légitimation de l'autorité, la légitimation du pouvoir repose sur la tradition et non pas sur l'autorité du chef ou bien le respect des lois, par exemple. Et la tradition ici, ça veut dire une ligne, évidemment, cette fiction de la lignée impériale ininterrompue. Et donc, une fois qu'on a intériorisé le fait que la domination exercée par le pouvoir relève d'un ordre immémorial, alors le sujet ne peut plus le remettre en question. Il ne peut plus activer sa conscience politique.
Là, il rejoint en substance l'idée de Maruyama qui décrit le tenno-centrisme comme un système d'irresponsabilité. Donc, il dit irresponsabilité, il dit absence de décision politique. Les processus politiques sont perçus comme une sorte de phénomène naturel et le sujet n'a qu'à se soumettre au fait accompli. Et là, relève toujours Hashikawa, on est de nouveau tout à l'opposé du décisionnisme de Carl Schmitt. Donc on aurait ces trois points. D'abord, une situation socio-économique qui suscite un sentiment de désespoir et d'inefficacité de l'action politique. Deuxièmement, une mentalité romantique qui pousse à la passivité face au réel. Enfin, un système politique qui cultive l'irresponsabilité. Et donc, ce seraient trois composantes, en quelque sorte, qui emmènent au désengagement romantique de la politique. Mais j'aimerais faire deux remarques à ces sujets avant de conclure. La première, qui me frappe à la lecture des essais de Hashikawa, c'est à quel point il semble s'évertuer de définir l'école romantique comme apolitique, justement. On peut prendre quelques citations. Si l'on s'en tient au fait, l'école romantique n'eut aucune efficacité politique. L'école romantique est une pensée révolutionnaire sous une forme dépolitisée mais sentimentalisée. Ou encore, à mesure que le discours de Yasuda se rapproche des études nationales, il tend vers un rejet total du réalisme politique, un refus d'analyse de la tournure des événements, la disparition de toute pensée scientifique. Donc, ces trois citations parmi beaucoup d'autres, mais il insiste beaucoup sur le fait, sur l'apolitisme de l'école romantique. Et pourtant, il reconnaît bien que Yasuda, dans d'autres citations, a été un des idéologues les plus influents qui a poussé les intellectuels vers la guerre, que son romantisme a leurré l'intelligentsia japonaise au seuil de la guerre, que sa pensée antipolitique a pu avoir un effet politique. Ça, c'est toujours Hashikawa qui dit. Alors, qu'est-ce qu'une pensée apolitique ou antipolitique qui aurait des effets politiques ? Pourquoi fallait-il mettre à tout prix à distance le politique dans cet examen de l'école romantique ? C'est des questions qu'il faut se poser. Un autre point ambigu dans l'argumentation de Hashikawa tient à l'usage du terme ironie, qui est un des points clés sur la pensée de Yasuda. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez compliqué, mais il y aurait ironie, on va dire, pour reprendre l'analyse socio-économique de tout à l'heure, un peu quand les difficultés économiques, le durcissement de la répression contre la liberté de penser plongent les intellectuels dans une forme de désespoir. Et quelque part, l'ironie, c'est un peu le dernier recours d'un esprit acculé qui regarde le monde avec sarcasme. En tous les cas, c'est indéniable qu'il y a une forme d'ironie chez Yasuda, le Yasuda des débuts, le Yasuda de Kogito, le Yasuda de l'école romantique, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 30. Mais est-ce qu'il y a encore ironie, comme le prétend Hashikawa, quand Yasuda déclare, par exemple, « Je suis un de ceux qui souhaitent que l'Allemagne triomphe. En tant qu'observateur, il me semble que ce serait plus intéressant de l'avoir gagné. » Ou bien, quand Hashikawa conclut son essai sur l'école romantique et la guerre, « L'école romantique a prôné une participation esthétique à la guerre en tant qu'une ironie du militarisme. » Donc ce n'est pas du militarisme, c'est une ironie du militarisme. On comprend bien le problème, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut encore soutenir qu'il y a ironie et pas tout simplement militarisme, un soutien total. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut soutenir justement cette ironie alors que Yasuda l'exprime de plus en plus ouvertement son soutien à l'idéologie, notamment après ce voyage, fameux voyage sur le continent en 1938, ou encore quand Yasuda commence à se rapprocher des groupes extrémistes shintoïstes, comme Kagayama Masaharu, par exemple, en 1941, ou quand Yasuda commence à distribuer aux étudiants qui se rendent sur le front un livre écrit de ses propres mains, un livre qui commande des Norito, donc aux étudiants qui vont partir à la guerre, un livre qui commande cette liturgie shintoïste ancienne. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait tenir à distance, à ce point, le romantisme du politique ? Pourquoi il fallait distinguer un premier Yasuda, respectable, critique de la modernité,
du personnage qui va s'attirer la haine des communistes après-guerre. C'est pas seulement parce que Hashikawa se sentirait au fond visé par les critiques à l'encontre de Yasuda, qu'en refusant de faire le procès du romantisme, il essayerait en quelque sorte de justifier son penchant de jeunesse pour le romantisme. C'est évidemment plus compliqué. Donc la première chose à souligner, ça a été fait beaucoup par la critique, c'est qu'il y a une volonté d'universaliser son expérience. Hashikawa quitte parfois le « je » pour dire « nous, nous autres romantiques » dans son texte, où il dit « il faut comprendre l'école romantique au sens large », au sens large, hein, ce sont ces termes. C'est une manière de dire que finalement chacun a eu son école romantique, hein, pendant la guerre, et que l'effort d'introspection regarde tout le monde. Ça, c'est assez proche de la vision de Takeuchi Yoshimi. Hein. Et il y a aussi cette volonté de nuancer, une manière un peu de dire, détrompez-vous, ce qui nous a attirés, nous, jeunes étudiants, chez Yasuda, ce n'est pas simplement l'exaltation du système impérial, le retour au classique, cette esthétique médiévale de la mort. Hein. Non, c'est sa négativité, son ironie, son nihilisme. Dans cette période où notre seul horizon, c'était la mort, hein, le seul discours qui a donné un sens à notre expérience, c'était le discours de Yasuda. C'est Hashikawa qui dit ça. De là, on comprend qu'il ne peut pas réduire l'école romantique au pur fascisme. Évidemment, il reconnaît, il y a de ça, mais pas seulement. Il cherche à montrer que son point de départ était ailleurs, une critique de la modernité. Ses causes étaient plus profondes et lointaines, qu'il a dévié à un moment et qu'il faudrait chercher les causes de cette déviance. Je crois qu'il essaye de saisir justement ce point de bascule à un moment. Et ce qui se situe de l'autre côté du point de bascule, le Yasuda devenu clairement fasciste, ne l'intéresse pas trop. Et c'est peut-être ce qui rend d'ailleurs son discours ambigu, parce qu'il reste en deçà. Et dernier point important, c'est que cette analyse de l'émergence de la pensée romantique permet un autre type d'universalisation, c'est-à-dire, est-ce que ça peut se reproduire, hein? Qu'est-ce qui perdure dans cette pensée? Quelles leçons est-ce qu'il faut tirer pour le temps présent à la fin des années 50 quand on écrit ça? On se souvient de ces paroles de Ooka Makoto en 58, il regarde avec suspicion le retour d'une radioactivité romantique, hein? Alors c'est peut-être le point, un des points les plus intéressants pour cette session. Malheureusement, il faut dire que Hashikawa donne assez peu d'éléments de réponse, hein, sur ces questions-là. Mais il mentionne quand même trois choses, trois symptômes, on va dire, d'un discours romantique dans les années 50. La première, ce serait une forme de nihilisme qui anime la jeunesse rebelle antisociale, représenté notamment, il cite, hein, dans le roman d'Ishihara Shintaro, La saison du soleil, en 55. Deuxième personne qui mentionne, c'est Gomikos, qui est un auteur de romans historiques assez sulfureux. Fan de voitures et de débauche, on va dire. Et il mentionne le néo-romantique, on va dire, Mishima Yukio. Il ne va pas beaucoup plus loin dans l'analyse de son époque, mais je crois, et je vais terminer là-dessus, que ce cas de Mishima éclaire un peu cette question que j'ai essayé de soulever aujourd'hui. Parce que pour Hashikawa, qui a plutôt soutenu, hein, l'œuvre de Mishima dès le début, Hashikawa va marquer ses distances quand même avec la publication de Bunkaboe en 69, hein, au moment où, je pense, à peu près, hein, Mishima décide finalement de prolonger son univers esthétique romantique sur le terrain de l'action politique. Hein. Et là, je crois que manifestement pour Hashikawa, ce passage entre le romantique au politique fait problème. Merci beaucoup pour cette présentation de la question du romantisme autour de Hashikawa. J'avoue, personnellement, c'est un thème que je trouve extrêmement important. Du point de vue français, c'est quelque chose dont on a assez peu conscience, qu'il existe une école romantique au Japon.
on voit bien comment la réception de Mishima a été faite. Elle a été faite essentiellement dans une perspective diachronique, en la reliant à une histoire plus profonde et qui serait essentiellement nationale. Me semble qu'il y a dans la question du romantisme une manière d'articuler de manière très forte les expériences japonaises et les expériences européennes ou d'autres pays, parce qu'en définitive, le romantisme, je crois, il est un mouvement qui se perpétue et qui est toujours présent de réaction à une certaine forme de la modernité qui tend à diviser, à séparer, à connaître, qui est motivée par la science, par les catégories. Et le romantisme, il est toujours là comme une réaction à cette forme de division qu'entraîne la pensée critique. Donc je crois vraiment qu'il y a un travail à faire. De mon côté, je le mène aussi. Donc on a un dialogue qui se fait là. Et j'espère qu'on pourra, comme ça aussi, parallèlement à la présentation de textes de gens comme Maruyama Masao, comme Takeuchi Oshimi ou d'autres que l'on est en train de traduire, faire connaître aussi ce romantisme qui est un petit peu aussi, je crois, quand même un refoulé de la pensée japonaise de l'après-guerre, parce qu'on ne sait pas bien qu'en faire de ce romantisme. On le voit, il est là, mais quelle place lui donner? On a bien vu, c'est complexe. Je vais m'arrêter là. Je me suis permis ce petit commentaire, excusez-moi. Je vais d'emblée passer la parole à Monsieur Nakajima, professeur Nakajima est professeur à l'université de Hokkaido. Il est un spécialiste d'histoire politique asiatique, les relations avec l'Inde et le Japon, travaille sur des intellectuels et des figures d'historiens politiques de l'Asie. Je mentionnerai notamment son travail sur Dash Behari Bose en 2005, en japonais Nakamura Yano Bose, ou son travail sur le nationalisme et la religion en 2006, Nationalisme to Shukyo, ou encore son livre qui est paru l'an dernier sur le sujet qu'il va nous présenter aujourd'hui, à savoir Shimonaka Yasaburo, le fondateur des éditions Heibansha. Je lui laisse la parole, merci.